Si je vous parle de musique électronique, à quoi vous allez penser? Pour la génération de mes parents, c'était les grands concerts de Jean-Michel Jarre, c'était les nappes de synthétiseurs de Vangelis. Par musique électronique, on désigne aussi assez souvent l'électro en tant que genre musical et tous les dérivés, la techno, dubstep, house, psytrance, darkcore. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, il y a plein de choses. Vous pensez peut-être à la playlist de votre dernière soirée, boum boum dans les oreilles, Berlin, les rave parties. Ou alors complètement autre chose, l'avant-garde contemporaine un peu bizarre qui vous a fait peur l'autre jour sur France Culture. Voilà, en tout cas c'est hyper large et au final on ne sait plus trop de quoi on parle. Donc il faut que je vous le précise, moi je vais vous parler de musique électronique, plutôt du son électronique, de l'idée générale du son électronique. Et avant d'aller plus loin, je dois très rapidement vous parler du son tout court pour que ce soit plus clair. Bon, vous en avez sûrement tous conscience, le son naît d'une vibration acoustique. C'est une onde de pression qui se propage dans l'air jusqu'à nos tympans. Et c'est très simple dans l'idée, c'est-à-dire que tout ce qui vibre, notre oreille est sensible à des fréquences entre 20 et 20 000 Hz. Donc tout ce qui peut vibrer entre 20 fois et 20 000 fois par seconde, j'irai pas assez vite, peut être audible. Dans ma poche, j'ai une embouchure de trompette. Voilà. Bon. Vous avez l'idée, j'ai l'air clairement débile sans la trompette qui va avec. Mais voilà, avec cette embouchure, mes lèvres et un talent non dissimulé, je génère l'onde de pression. Le reste de l'instrument va permettre de contraindre, d'amplifier, de mettre en forme cette excitation acoustique. Et voilà, tous les instruments de musique fonctionnent de la même manière. On a toujours un excitateur et un résonateur. Un exemple qui est très parlant, c'est une corde qui va vibrer et qui va faire résonner une table d'harmonie en bois. Et puis, pourquoi pas, je dis ça complètement au hasard, un électroaimant qui fasse vibrer une membrane en carton. Vous voyez peut-être là où je veux en venir, c'est le haut-parleur. Voilà, le haut-parleur, l'arme ultime, le portail vers un univers parallèle incroyablement flexible et malléable. C'est l'univers du signal électrique et donc de l'électronique. Avec un haut-parleur, au bout de la chaîne, on peut tout faire. On peut déjà, bien sûr, amplifier, on peut reproduire un enregistrement, et puis on peut aussi, et c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui, générer de l'audio sans avoir même besoin d'une source acoustique au départ. Alors ça, je vais vous le montrer. C'est un synthétiseur modulaire, ça revient à la mode, enfin, toute proportion gardée. Mais ça a l'avantage d'être extrêmement clair et limpide dans l'approche. On voit vraiment bien ce qu'on fait. Alors, on va faire l'exercice, on va créer un son électronique ensemble. Je vais commencer avec une onde sinusoïdale. Voilà, alors ça, c'est le son électronique le plus simple qu'on puisse imaginer. C'est la base. Vous voyez, il y a juste une fréquence. On peut. En faire varier la fréquence. Et tout l'intérêt du truc, en fait, c'est que je vais pouvoir utiliser des signaux électroniques pour modifier les paramètres. Par exemple, ma fréquence, là, je la fais varier avec un potentiomètre. J'aimerais bien. Je peux mettre un générateur de tension aléatoire. Vous allez voir ce que ça fait. Voilà, donc là j'ai une génération aléatoire du signal. Si je veux être un peu plus subtil et musicien, je peux utiliser un clavier. C'est quand même vachement pratique. Donc là pareil, je vais brancher mon signal électrique. Hop. Et là, miracle. Voilà, c'est super. Alors maintenant il manque quand même un truc.
J'arrive, hein, c'est que mon son, il s'arrête jamais. Il manque quand même un truc. Donc, ce que je peux faire, c'est créer une enveloppe. Alors, on y va. Vive les ordinateurs. Donc là, maintenant, ça y est, j'ai une enveloppe. Hourra. Enfin, et pour l'instant, je vais pas vous faire danser avec ça, vous voyez. Donc, faut vraiment tout paramétrer, tout programmer. L'idée, c'est vraiment, j'ai du signal électrique, je vais moduler des fonctions, et voilà. Donc, on n'a pas tout à fait la même approche qu'un instrument de musique normal. C'est un synthétiseur, et je pense qu'on peut le dire quelque part, c'est une machine. Une machine. Alors, j'aimerais vous parler d'une autre approche plus ancienne, en fait, c'est celle qui a préfiguré la musique électronique telle qu'on la connaît, et en 1920 donc. En 1920, il faut se rendre compte que l'électricité, c'est tout neuf, on sort de la Première Guerre mondiale, on commence tout juste à manipuler du signal électrique, avec des composants électroniques, donc des tubes, des lampes triodes. C'est le début de la radio à grande échelle. Et en Russie, donc, un jeune et brillant ingénieur, Lev Sergeyevitch Termen, qu'on francise Léon Térémine, invente cette drôle d'appareil qui porte son nom. J'ai l'impression d'être au salon de l'automobile et de révéler la nouvelle Tesla, mais c'est pas ça. Le Térémine, voilà. Donc là, vous le voyez, il n'y a pas de clavier. Heureusement, il n'y a pas de câble. Il y a des boutons, mais ce n'est pas avec ça qu'on va jouer. C'est vraiment juste pour quelques réglages. Et donc là, la démarche, c'est deux antennes. À gauche, on a le volume. Et à droite, on a la hauteur du son. Bon. Voilà, et c'est tout. Et il n'y a rien de plus. Alors, je vais vous montrer un truc. Comment on joue du Térémine. Donc on a vraiment juste la hauteur, le volume, et rien de plus. Donc moi, voilà, j'ai fait des études scientifiques et beaucoup de musique à côté, donc bon, c'était vrai coup de foudre quand j'ai découvert ça. Et la musique, je faisais de la musique classique, je viens du violoncelle, donc naturellement, quand j'ai commencé le Térémine, c'était avec la musique classique. Donc, je vais vous jouer quelque chose, il est temps peut-être. Juste un petit extrait. Bon, vous avez peut-être vu, il y a quand même une dimension un peu vocale. On pourrait penser à quelqu'un qui chante. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que le son en lui-même reste vraiment simple. Il se passe émotionnellement à peu près autant de choses que ma pauvre sinusoïde de tout à l'heure.
Tout le travail, ça va être de donner vie à ce timbre électronique simpliste, et on peut le faire. Alors ça demande autant d'investissement que d'apprendre le violon ou la flûte traversière. Il faut vraiment développer une technique de jeu, et c'est dans l'articulation que tout va se jouer. Voilà, voyez l'idée, c'est pour passer d'une note à l'autre, il y a 36 000 manières à chaque fois, c'est vraiment hyper expressif. Bon, voilà le thérémine. Alors, il y en a eu d'autres, des instruments de musique électronique expressifs, et entre autres les ondes Martenot. C'est un instrument français, il faut le souligner. Et alors là, c'est un peu la même idée, donc on a un ruban qui permet de passer entre les notes. On a une touche d'intensité derrière un tiroir là, qui permet de générer une attaque, comme l'antenne gauche du thérémine. Et puis un clavier, oui, c'est vrai, mais attention, ce n'est pas n'importe quel clavier, il est suspendu, et oui. Et donc du coup, on peut faire un vibrato personnel. Voilà, ça existe encore, les ondes Martenot, ça un peu moins, mais quand même aussi. On s'est enseigné hein, au Conservatoire de Paris, de Strasbourg, de Montréal. Mais bon, voilà, ça reste quand même marginal. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des ondes Martenot. Voilà. Alors, quelle perspective pour l'approche expressive? Je vais vous montrer autre chose. Donc ça, c'est un... Hop, voilà. C'est un instrument moderne. Le continuum, ça s'appelle. Et voilà, alors ça ressemble de très loin, en fermant les yeux et sans lumière, à un clavier de piano, mais en fait, c'est un tapis en néoprène avec des ressorts dessous, et puis on contrôle le son par pression. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, c'est expressif, pour changer de mot. J'aurais peut-être dû me préparer un petit peu, mais enfin, voilà, vous voyez la démarche. Et ce qui est incroyable, en fait, parce que bon, voilà, là, objectivement, j'ai un son qui est quand même complexe. Il est programmé pour avoir une attaque, et puis en même temps, je peux le soutenir. Et puis, voilà, on a vraiment l'interface pour le contrôler dans toutes ses dimensions. Et ça, ça se ressent, parce que si je reprends, encore une fois, ma sinusoïde pénible du début, et bien là, déjà, je peux quand même impliquer quelque chose. L'instrument existe avant même le timbre. Voilà, comme la thérémine, on peut vraiment impliquer quelque chose. J'aimerais voilà, dire un truc important, c'est qu'en musique, les innovations ne remplacent jamais celles d'avant. Par exemple, la guitare électrique n'a jamais remplacé la guitare classique. Le piano n'a pas enterré le clavecin. Enfin, un peu quand même, mais ça existe encore. Et puis, c'est pareil, l'ordinateur n'a pas vraiment remplacé le synthétiseur analogique, même s'il en serait largement capable et de faire beaucoup plus. Et donc voilà, donc toutes les démarches peuvent coexister. Moi j'aime bien d'ailleurs jongler avec tout ça, bon j'ai encore des progrès à faire, mais ça me plaît d'hybrider les approches. En tout cas, je remarque une chose, plus sérieusement, c'est que la démarche des instruments, de créer des interfaces de contrôle, est quand même un peu sous-développée par rapport à toute la recherche qu'on a fait sur des nouveaux timbres, des nouveaux sons. On a une technologie qui est monstrueuse aujourd'hui, ça là, ça date, c'est un concept des années 60, le synthétiseur modulaire.
Aujourd'hui, on parle même beaucoup de l'intelligence artificielle, mais tout ce que ça peut débloquer en termes de création sonore, c'est incroyable. Et on en est toujours là à utiliser des claviers pour contrôler nos sons, mais il y a peut-être besoin d'autre chose. Voilà, donc moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que faut pas avoir peur des idées oubliées du passé, faut pas avoir peur des ovnis. Et voilà, je suis du coup très curieux de voir ce qui peut arriver à l'avenir. En tout cas, ne perdons jamais ce lien sensible qu'on a avec le son et qui fait de la musique un langage, un moyen d'expression extrêmement riche et profondément humain. Voilà, merci beaucoup.